On est en train d'absorber le déficit au fur et à mesure. Donc l'algée, nous allons mettre zéro eau superficielle. Donc il y a les eaux souterraines, les dessalements. Donc le cas le plus défavorable pour l'algée, c'est 750 000 mètres cubes jour. Nous allons mettre l'algée le plus normalement du monde. Nous allons mettre les 750 000. Quel que soit X, nous allons mettre l'algée, Inch'Allah. Ou j'espère, Inch'Allah, qu'ils rentrent dans le cas de l'Istighlal, les trois stations de dessalement, bateaux cassés. Le Barça ou Corso, on aura donc les 150 000, donc on est à 950 000. Puisque le dessalement Lyon à l'échelle nationale, il représente 17%. Le président, donc, on va réaliser donc, dans un premier temps donc, 5 stations de dessalement à l'échelle nationale, 15 jours chez Alger, Alger S et Alger Ouest pour sécuriser Alger une bonne fois pour toutes. Kaina Wahda Tender, Inch'Allah, il y a un Albi Fibjaya, Kaina Wahda Fiwaran, Wahda Ftarf. Donc, les 5 stations de dessalement, on a 300 000 mètres cubes jour. Donc, le Qafzan, le dessalement, en 2017, on passera à 42. Et on va toucher à peu près 16 wilayats. Donc, c'est l'équivalent à peu près dans les à peu près 19 millions donc, d'habitants. Bah, Inch'Allah, en 2030, on a les six autres, Inch'Allah. Donc, tous les Qafzan, le 42, le 60%, on va toucher les 35 millions d'habitants.